Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Relooking de cette personne à côté de moi, parce que entre nous, il faudrait lui mettre un truc plus mature, plus joli, quoi, plus chic. D'accord, vous Voilà. tombez sur la bonne personne, je suis la meilleure styliste de tout Brookhaven. J'ai même relooké Voilà. Lady Gaga, vous savez. Oh. Waouh! Voilà. Nice. Donc, ce serait pour un relooking pour madame, c'est bien ça? Oui, C'est ça, c'est c'est moi. ça. Eh bien, d'accord. Et vous, madame, qu'est-ce que vous pensez du relooking que votre ami veut vous faire? Moi je suis pas trop d'accord. Enfin, moi je préfère le rose et tout ce qui est rose, violet, et puis tout ce qui fait un peu enfant, mais il m'aime pas comme ça, mais c'est pas grave, mais moi j'aime ce look. D'accord, mais du coup, monsieur, ça peut être genre une tenue mature et rose en même temps, ou ça conviendrait? Ouais, mature et rose, si elle a envie, mais mature, quoi. Pas trop cool non plus. Pas trop coloré, quoi. Un truc assez Voilà. sobre, mais avec une couleur, le rose, ça pourrait aller, quoi. Parce que Oui. Oui, d'accord, ok, Mais alors. les jupes pas trop cool non plus, hein. Pas trop court, d'accord. Quelque chose de mature et de chic. C'est Parfait. ça. D'accord, alors, qu'est-ce que nous avons là? Là, je vois des choses assez roses. Ok, pourquoi pas ça? Alors, attends, on va prendre ça et ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça aussi, je voudrais bien là-dedans. D'accord, ok. Prenez ces vêtements-là. Ah, vous Voilà, êtes hop. sûr? Oui, vous inquiétez pas. Des fois, il faut sortir de sa zone de confort, mais vous allez voir, ça va vous aller parfaitement bien. Et là, juste là, vous avez la cabine. D'accord. Vous allez vous Ok. changer. On vous attend ici, hein. Maintenant, j'ai le journal, hein. Allez-y, allez-y. Vous n'allez pas la reconnaître. Ça va être quelque chose de magnifique. Ça va être tel un Ben, défilé sur les j'espère. tapis rouges de Cannes. J'espère pas la reconnaître, sinon on est mal barré. Ah, vous êtes magnifique. C'est hyper classe, hyper tendance, SO 2021. Qu'est-ce que vous en Ok. pensez? Trop rose, trop court, trop de couleurs, c'est nul, on recommence. Il faut recommencer, c'est pas bien. Mais non, Non, je suis pas mais non. d'accord. Mais non, vous inquiétez pas, c'est normal. Au début, on a l'impression que ça fait too much, tout ça, mais en fait, au final, vous allez vous y faire, vous allez voir et vous allez commencer par kiffer. Regardez, c'est vraiment magnifique. Moi, je Je t'ai trouve mis ça. avant, c'est pas possible. Mais regardez, c'est tellement sobre. Moi, j'aime bien. Oui, mais toi sinon t'aimes bien, mais moi j'aime pas. Il y a du rose, du violet. Vous allez pas lui briser le cœur en lui demandant d'enlever sa couronne de cœur, quand même. Non. Regardez le nombre Bon, de si cœurs vous que vous voulez. pourriez lui briser. Ça serait malou. Ah oui. Ce serait dommage qu'il y ait une rupture dans mon magasin. Bon, vous savez quoi, j'ai quand même payé, hein. Vous m'avez Ah, saoulé. parfait. Ouais, On est. merci. Elle passe pas assez bon. Ah, parfait. Merci bien. Merci bien. Au revoir, jamais, hein. Au Bon, revoir, bah parfait, à hein. très bientôt, hein. Ouais, à très bientôt. Jamais. À jamais. Bonjour. Oh, bonjour, j'aime beaucoup votre style. C'est Oh, très merci très beau. beaucoup. Dites-moi, je Eh vous bien. écoute. Eh bien, je viens aujourd'hui parce qu'en fait, comment vous dire que j'ai les mêmes vêtements depuis des mois et. Enfin, c'est un petit peu lassant. Tout le monde me dit que ça sent le moisi et que je sens le moisi. C'est vraiment très, très, très dérangeant, voyez-vous. Mais voilà, donc j'aimerais avoir j'aimerais repartir avec un style très coloré comme celui que j'ai Quelque maintenant, chose qui vous mais ressemble, quoi. quelque chose qui me ressemble. Mais juste très coloré, mais juste avec des autres vêtements, parce que bon, je vous l'ai déjà dit, mais je porte les mêmes depuis des mois et c'est un J'avoue petit que peu. je sens l'odeur jusqu'ici. On dirait qu'un chat est mort dans mon magasin. Ah oui, oui, Depuis bon, des voilà. mois. Oui, voilà. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, là, je vois. Intéressant, intéressant. Petit bas là en bas, il peut. Je pense que ce serait pile votre taille. Pourquoi pas nous laisser tenter par cela? Ça peut être une bonne idée. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous
vous inquiétez pas, hein, il y a marqué que c'est le rayon des hommes, mais bon, aujourd'hui, qui sommes-nous pour juger qui est un homme et qui est une femme ? Mais bien sûr. Je suis contre le fait de faire des rayons femmes et des rayons hommes. On devrait mélanger tous les rayons, même les rayons des animaux et des enfants ensemble. On devrait tout mettre ensemble et arrêter de donner des catégories aux gens. Ah c'est bon incroyable. Les animaux s'habillent en 2021, écoute. Bien sûr, comme tout le monde. Ah c'est indécent de promener son animal poilu et à poil dans la rue. Bah écoutez, vous m'avez appris quelque chose, Sylvie, la styliste. Ok, ça c'est pas mal. Prenez donc ça et vous pouvez aller dans la cabine. Essayez merci. Cela. D'accord, vous êtes sûr ? Oui, bien sûr. Vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Je suis la styliste. Bon, d'accord, j'y vais. Il y a des glaces par ici ? Je me regarde un peu là. Juste là, sur le côté, juste ici, vous pouvez voir, il y a un miroir de plein pied. Mais voyons, ce n'est pas du tout ce que je vous avais demandé. Mais c'est encore mieux que ce que vous m'avez demandé. Regardez, vous êtes magnifique. Mais c'est tellement noir que ça a des teintes sur mes cheveux. Oui, mais le noir, c'est tellement Dark Sasuke So 2021 et en plus ça passe partout. Le noir. Mais moi je n'aime pas le Dark Sasuke que là, Sasuke truc là. Mais non, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, tout le monde va se retourner sur vous dans la rue. C'est tellement bien. Non mais je ne payerai jamais pour ça, oui, où sont mes vêtements là, je ne paye où. Ah, vos vêtements, je les ai déjà jetés dans la benne à ordures et les éboueurs viennent justement de passer pour récupérer les poubelles. Quoi ? Bah oui. Non mais si vous croyez que je vais payer pour cette tenue, non mais vous foutez le doigt dans... Là où je pense. Ah, c'est un peu embêtant, mais faut payer madame. Mais vous avez jeté mes vêtements, vous croyez vraiment que je vais payer pour cette chose que je n'ai pas demandé ? Mais vos vêtements, ils chlinguaient tellement que ça empestait partout, fallait que je m'en débarrasse ! Mais oui, mais j'allais... Bon, en même temps, j'ai pas de truc pour laver, mais... Mais quand même ! Vous savez, ça coûte quand même 499 $, les vêtements que vous portez actuellement sur vous. Il va falloir payer, madame ! Mais oui, mais mes vêtements, ils étaient mieux que ça ! Ils pouvaient pas être mieux que ça, c'est vous savez que c'est du Dolce & Gabbana. Mais vous êtes censé relooker les gens comme ils le demandent, madame. C'est 100% coton, madame. Mais ce n'est pas ce que j'avais demandé, madame. C'est 100% coton synthétique. Mais oui, mais c'est moche. C'est du coton prélevé sur des poils d'abeilles. Mais les abeilles, ça a des poils tout fins. Bah oui, justement, ça coûte hyper cher. Je suis désespérée, madame. Écoutez, je m'en vais, au revoir. L'argent, rendez l'argent aux abonnés. J'ai pas la thune. Y a pas trop de clients, là. Oh, monsieur, bonjour, monsieur. T'es qui, toi ? Comment allez-vous, monsieur ? Bien du tout. Pas bien du tout ? Ah bah parfait. Et sinon, moi, je vais très très bien aujourd'hui. Le soleil n'est pas là, mais moi, je vais bien. Du coup, je vous propose un relooking. Ouais, mais juste en fait, ta vie, on s'en fout. Donc, Non, on s'en fout pas de ma vie, j'ai une vie très intéressante. Entrez. Je rentre. Alors, la tenue, va falloir m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous vous êtes levé et que vous avez décidé de vous habiller comme ça, monsieur. C'est la tenue de ma femme. C'est la tenue de votre femme, mais justement, c'est la tenue de votre femme. Pourquoi vous la portez, monsieur ? Parce que j'aime bien. Vous aimez bien ? Elle est morte. Ah ! Ah ! Quel dommage ! Vous voyez, je suis très émue. Du coup, ça ne va pas du tout. Il va falloir que vous modifiez cette tenue si vous voulez retrouver une autre femme, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Comment vous avez fait pour changer de pantalon aussi vite ? C'est mon corps qui bug, ça. Hein. Votre corps qui bug ? Ah ! D'accord, ok. Bah écoutez, là j'ai choisi des petits vêtements dans le rayon femme. Ici, juste là, ça c'est parfait. Ça. Je suis un homme. Oui, justement, oui, justement, vous êtes un homme. C'est pour ça que je vous choisis des choses du rayon femme, comme vous pouvez le constater. Tout est logique. C'est tout à fait logique.
Hop, ça, hop, ah oh, merde, j'ai marché sur les vêtements, mais c'est pas grave. Ça fera un style unique. Bon, tenez, monsieur, prenez ça et allez vous changer, ça ira mieux, ne vous inquiétez pas. Et s'il vous plaît, ne vous mouchez pas, ne vous torchez pas le nez dans votre, dans les vêtements, hein. Putain, j'ai autre chose. Hop. Allez, allez, allez-y derrière, allez vous changer. Dans ta bouche. C'est bon, madame. Ah bah changé. Parfait, vous êtes toute mignonne comme ça. J'adore vraiment le style. Ça, ça, vous allez... Pardon ? Ferme ta bouche, je vais te scotcher, c'est... Non, non, ferme ta bouche en fait. Je vais te faire bouffer mes pieds. Mais pourquoi, non, vous êtes, pourquoi vous êtes violent, monsieur ? Calmez-vous, voyons. La tenue, ça me fait penser à ma femme. Votre femme ? Mais quel âge elle avait ? Vous êtes allé la chercher à l'école, votre femme ? Non, elle avait 85 ans. Elle avait 85 ans et elle s'habillait comme ça ? Oui, et c'est intéressant. Elle s'appelait comment ? Brigitte. Brigitte ? Incroyable. En tout cas, là, franchement, ça vous va trop bien. Et franchement, vous me faites tellement pitié que je vous offre cette tenue. Vous n'avez pas besoin de payer. Aïe. Pourquoi vous me frappez, monsieur ? Arrêtez ! Enfin, bouffez le pied, moi. Sortez de chez moi, hors de ma vue, délinquant. Bring, bring. Bonjour, bring, monsieur. Bring, j'ai dit. Oui, bonjour. Hop, attendez, je garde mon vélo. Ah, voilà. Ah. Tuit, tuit, c'est bon, le vélo est carré. Et comment allez-vous, madame ? Bah écoutez, très bien, et vous, monsieur ? Bah déjà, madame, sachez que je vous aime. Car oui, j'aime la planète, madame. Quand vous voyez à mon caneçon sur moi, il y a des cœurs partout. C'est parce que j'aime donner l'amour à tout le monde. Voulez-vous de l'amour, madame ? Oui, j'aime beaucoup l'amour, surtout quand il est sous forme de billets. Donc j'aime votre argent. Ok, je comprends. Bah sinon je viens ici parce que vous savez, moi, la nature, moi, la nature, ben on vient de se marier quoi, du coup, ben pour tout simplement fêter cet événement, j'aimerais ben m'habiller un petit peu plus comme la nature, parce que vous savez, c'est pas tout le temps facile de vivre avec la nature, parce que des fois, elle vous regarde comme ça, genre, vous avez des petits coups d'éclair sur les fesses, par exemple, vous voyez, elle s'énerve assez rapidement. Du coup, j'aimerais me mettre un petit peu plus dans sa peau pour savoir qu'est-ce qu'elle ressent tous les jours. Ah, je vois, vous êtes un peu comme les véganes hystériques, c'est ça, hein ? Oh non, j'ai pas... Non, c'est pas du tout ça. Moi, je fais des bisous à des arbres, concrètement, quoi. Intéressant. Donc, tout ce qui est... Ce serait plutôt, genre, tout ce qui est 100% coton, les vêtements biodégradables, le textile vraiment qualitatif, et non pas le fast shopping. Ouais, pas le fast-food. Fast-food, fast-shopping, tout ça. C'est fast pas fashion. Comme on dit, le face gras et tout, les fesses gras, non, ça c'est pas... Vous savez, tous les jours je fais du squat pour pas avoir les fesses gras avec la nature, et j'aime pas tout ce qui est face, quoi. Non. D'accord, donc je pense avoir vraiment ce qui vous conviendrait, alors attendez. Ouais, je sens que vous allez cerner là. Là je regarde un petit peu, d'accord. Ouais, allez-y, regardez. Et, ouais. 100% diesel, ici on a fabrication 100% carburant. Non, ça me va pas trop, ça. La nature, elle va me claquer les derniers. Non. Je me sens pas trop, divorcer, genre... Hein. Effectivement, dans le diesel, genre, je suis pas trop confortable, quoi. Ça passe pas trop entre moi et le diesel, pour me dire... Et tout ce qui est vêtements, fabrication en bouse de vache, ça vous intéresserait un peu plus peut-être ? Ouais, ça j'adore le concept, ça me va totalement quoi. Intéressant. Bon, faut pas se fier à l'odeur, voilà, c'est le seul petit inconvénient, mais c'est hyper nature. Hein. Pas de soucis, j'en ai l'habitude, je sens la nature dans mon cœur, ça passe dans mes échauffages, bon, la nature... Ah bah là c'est sûr que ça va sentir, hein. Là clairement vous allez le sentir passer. D'accord, je sais ce qui vous conviendrait, alors venez, mettez-vous dans la cabine, enlevez vos vêtements, et vous inquiétez pas, je vais vous donner ce qu'il vous faut pour mettre les vêtements adéquats à votre style vestimentaire et à votre style de vie également. Ok,
Il n'y a pas de souci, je vous fais confiance. En vous regardant comme ça, je pense que je peux vous faire confiance et je sais que vous êtes une personne de confiance. Car je donne ma confiance à tout le monde comme les cœurs qui sont sur mon caleçon, tout simplement. Car je donne de l'amour. Par contre, Jésus, j'ai une question. Est-ce que votre cabine d'essayage, est-ce qu'elle est nature ou pas? Ah oui, elle est très nature. Hein. Elle donne directement sur la rue les poubelles et la pollution. C'est très, très nature. C'est très... voilà, vous êtes très connecté avec l'extérieur. Hein. Ça, c'est sûr. Y a pas de souci. Je vais tester ça directement. Ne faites pas attention aux voisins qui regardent par les fenêtres. Hein. C'est... Vous inquiétez pas. Hein. Ils se rincent un petit peu l'œil. J'adore le concept. Un SDF qui fait pipi. Excellent. C'est full nature, ça. N'hésitez pas à prélever l'urine de cet SDF. Hein. Je sais que tout ce qui est les gens proches de la nature, vous aimez bien l'urinologie. Oui, ce qui est consommation d'urine. Des infusions d'urine, un de ces quatre, je vais vous envoyer, vous allez voir. Mouah, c'est comme ça, quoi. Ah oui, bon, c'est très qualitatif, allez-y. J'attends. Hein. Madame ? Oui, c'est bon, vous avez fini ? En fait, ça fait au moins 30 minutes que je vous attends. J'ai même papoté avec les petits SDF, là. Mmh, très sympa, les voisins, mais j'attends les vêtements, en fait. C'est bon, vous êtes prêt là, le style est terminé monsieur, ce style est parfait, vous convient extrêmement bien, regardez comme vous êtes magnifique, regardez-vous dans le miroir là, il y a un miroir juste là, regardez, franchement, vous ne pouvez pas être plus proche de la nature que comme vous êtes actuellement. Attendez. Hop, de profil, sacré petit... Et en plus, ceci, je peux vous le proposer à moins 20%. Ouais, c'est vrai que comme ça, là, j'ai un sacré petit U que mes formes sont bien mises en valeur. Quitte à réfléchir, écouter dans le cabine d'essayage, j'ai même marché sur la merde quelqu'un qui était bourré. Du coup, j'ai bien senti la nature, effectivement. Bon, quitte à réfléchir, écoutez, j'accepte cette offre, je pense que la nature me prendra dans ses bras comme ça, écoutez. Ok, alors pour cette tenue, je vous demande la modique somme de 99,99€ au lieu de 139€. Écoutez, vous savez quoi, je suis conquis, mes vêtements que vous avez ramassés là, il y a mon porte-monnaie dedans, prenez tout, je pense que je vais tout abandonner pour aller vivre avec la nature. Parce que la nature, c'est tout simplement mon petit pot de fleurs que j'ai dans mon appartement. Je pense que je vais l'amener avec moi dans une forêt et on va vivre l'amour de toute notre vie. Là, clairement, vous êtes paré. Vous avez toute la panoplie nécessaire pour rejoindre la nature et ne faire plus qu'un avec elle. Là, vous êtes tellement près de la nature que limite, vous pourriez fusionner avec elle. Ouais, je pense que... Ouais, c'est... là, je fusionne bien, là, je sens bien la nature... qui pénètre mon corps, je le ressens dans mon esprit tout simplement. Écoutez, franchement, je sais pas comment vous remercier. Écoutez, je vais vous faire un gros câlin. Hop là, je vous serre bien dans mes bras. Ah voilà. Oui, pas trop non plus. Hein, hop, voilà. Ah, vous êtes vraiment formidable. Ne vous inquiétez pas, c'est mon métier, bien évidemment. Donc je fais en sorte que tous mes clients sortent conquis de ma boutique. Et voilà, je n'ai pas fait un bac plus 10 en stylisme pour que mes clients soient mécontents. Hein, non. Ne vous inquiétez pas. Revenez quand vous voulez, si un jour vous décidez de changer de style. Mais n'hésitez pas, ma porte sera toujours ouverte. Il n'y a pas de souci, comme je le vois, votre porte est toujours ouverte parce qu'elles sont cassées. Et comment dites-vous, bac plus en stylisme, bien évidemment. Ok, pas de souci, je garde ça en mémoire, vous m'avez même appris un mot. Bon, du coup, bonne journée à vous. Bonne journée et bon courage à vous. Hein. Pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Ah, je vais fermer boutique là. Je sens que j'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Continuons comme ça sur cette lancée. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous a pris de vous balader comme ça tout nu? Moi, ça me balader tout nu. Mais madame, je suis un arbre. Je donne et je reçois de l'amour de la part de tout le monde. Mais voyons.
Je suis une fleur, il faut m'arroser. Apportez-moi de l'eau, madame. Ce n'est pas possible de porter des tels actes envers les fleurs. Parce que, regardez, je bouge comme les feuillages dans le vent. Je bouge comme des petits pissenlits. Regardez mon déhanché, madame. Vous croyez vraiment qu'un être humain pourrait faire ça? Non, parce que moi, je suis un arbre. Hop, voilà, déhanché d'arbre. Déhanché d'arbre. Ouais, déhanché d'arbre. Je sais que vous aimez l'herbe, mais il faut vraiment arrêter. Je suis de l'herbe, madame. Dites-moi, madame, vous voulez de l'amour? Non, merci. Ah. Et du coup, on fait quoi, madame? J'entends heure, s'il vous plaît. Vous pouvez pas emprisonner un arbre comme ça, parce que dans vos lois, il n'y a pas écrit que les arbres peuvent se faire menotter ou arrêter. C'est inadmissible. Si, vous n'êtes pas un arbre. Si, je suis un arbre, madame. Regardez, mon déhanché le prouve. Hop, déhanché d'arbre. Déhanché d'arbre, ouais. Faites peur.